Une vue imprenable sur la roche de Solutré et une table gastronomique en plein air au cœur du vignoble Mâconnais. Ce concept œnotouristique unique en Bourgogne, c'est un jeune viticulteur, Camille Paquet, qui en a eu l'idée. Avec mon frère, on venait travailler ici et on se disait, il faut qu'on exploite la chose parce qu'on a une vue qui est magnifique, un petit clos, 12 arts de vigne. Il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose. Et la première idée, c'était d'inviter nos clients et nos amis, nos plus gros clients bordelais et américains. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé le spot incroyable. Donc là, pour l'apéro, vous avez gougère au fromage, cake aux olives, un pot de melon et puis de la charcuterie. Un repas concocté à base de produits du terroir et servi par Gilles Bérard, chef d'un restaurant à Mâcon. Cette table au milieu des vignes, c'était un projet qui lui tenait à cœur. Et lorsque Camille Paquet lui a proposé de venir voir le clos des Caras, il a immédiatement été conquis. Au mois de décembre, on est monté avec mon épouse. Et puis on a vu cette parcelle, on a trouvé ça génial. Et on s'est dit OK. Et en fait, les premières tables, c'était au mois d'avril. Afin de proposer un service de restauration en pleine nature, Gilles Bérard cuisine exclusivement à la plancha, alimenté au gaz. Il a dû s'organiser méthodiquement pour respecter les normes d'hygiène et de conservation des aliments. Je demande aux convives de choisir le menu 48 heures avant, et c'est un menu unique pour toute la table. Comme ça, je n'ai pas plusieurs produits qui se baladent à droite à gauche. C'est une entrée, un plat, fromage s'ils le souhaitent, et dessert. Tout est préparé le matin même dans le restaurant. Ensuite, c'est mis en plaque, filmé, daté. Et une demi-heure avant de monter, je charge la camionnette et c'est dans les caisses isotères. Et le succès est au rendez-vous. Tous les vendredis et samedis sont réservés pour juillet-août. Mais il reste encore les jours en semaine, à condition, bien sûr, qu'il fasse beau. Merci. Bonne continuation, monsieur.